La plateforme Gorozania Mon Village, dirigée par le président Piodète Gessey, a organisé le 24 décembre 2021 la troisième édition de l'Arbre de Noël pour 430 enfants orphelins de moins de 13 ans de la sous-préfecture de Gorozania dans le département de Bangolo, région du Guémon. Cette cérémonie s'est tenue sur l'espace du groupe scolaire 1 et 2 de Gorozania. Rodrigue Monseguela, président du comité d'organisation, et Piodète Gessey, président de la plateforme Gorozania Mon Village, ont remercié tous les parents d'ici et d'ailleurs, à savoir M. Serge Do aux États-Unis, parrain de la cérémonie, Mme Justine Baillé, France, marraine de la cérémonie, Mme Gessey Zoncette, France, marraine à vie, Madame Paï Clarisse, France, Madame Ouladé, France, l'association Amaoué International dirigée par la présidente Juliette Bozon, les Oué de Couette, Monsieur Jean-Luc Gueye, invité d'honneur, pour ne citer que ceux-là, non seulement pour leur amour pour les enfants orphelins, mais pour avoir accepté de les accompagner par des dons en nature et en espèces pour la réussite de cette troisième édition. Je suis Rodrigue Monseguela. Je vous connais à votre rang, titre et grade, le protocole a bien respecté. Chère maman, maman Zoncette Gessey, c'est avec cœur et joie que moi, Rodrigue Monseguela, ton fils bien-aimé, ce soir, j'adresse ces sincères remerciements pour tout ce que tu fais pour la plateforme Gorozania Mon Village. Pour ne pas oublier notre père de tous les temps, chef lieu de cette tribune, Gorozania, j'ai nommé Papa Baou Nyonao Léon. Celui-là même, partout où est représenté Gorozania, mon village, pour une activité qui prend son élan d'être parmi nous. Sans oublier aussi tout son protocole. À nos avis de la presse, lui son dossier gay qui nous accompagne partout où nous allons. Je dis sincèrement merci aux enfants démunis de la sous-préfecture de Gorozania qui sont à l'honneur. Sincèrement merci à vous, merci d'être là. Aussi, remercier nos parents de Kaini Blondé. Papa, je ne vous connais pas de nom, mais j'aimerais vous dire sincèrement merci. Merci d'être parmi nous. Merci d'accompagner à chaque fois quand la plateforme Gorozania Mon Village organise une activité. Vous êtes présents parmi nous. C'est avec une joie, c'est un honneur pour nous. Président, je vais m'adresser à mon cher frère, Président Gessey Piodé Gueyadas, moi je l'appelle affectueusement l'homme à tout faire, l'homme pour qui la plateforme Gorozania demeure, va demeurer et demeurera toujours dans les bonnes conditions. Cher frère, c'est avec ton intelligence, ta sagesse, ton humilité que la plateforme Gorozania va y de l'avant. On aura bien d'autres choses à poursuivre. On ne fait que commencer. Tout début est difficile. Mais Inch'Allah, Inch'Allah. Cher maman, cher papa, à tous nos parents ici présents, je ne serai pas long. Je voulais vous dire sincèrement merci. Merci pour votre déplacement. Merci d'être là. Je remercie aussi toute mon équipe avec qui j'ai bossé dur pour être là. À nos doigts, c'est Don Alain Désiré, qui n'est pas avec nous par un contretemps. Remercier Sebo Mermoz, remercier Oula Armand Di Benzema, remercier l'artiste Bélier Blanc, l'homme à tout faire. Chers parents de la presse, chers communicateurs, chers animateurs, merci, merci infiniment, merci aux hôtesses, merci à notre sœur Sandrine Diourou, qui a effectué le déplacement à Gorozania rien que pour faire le repas des enfants orphelins de la sous-préfecture de Gorozania Blondé.
Merci à d'autres aînés aussi qui nous épaulent. Monsieur Bouyaka MS. Merci à tous nos frères et soeurs d'ici et d'ailleurs. Je vous remercie. C'est avec une énorme joie que je tiens ce micro pour vous dire merci, que Dieu nous bénisse, que la fête fut belle. Moi, je suis le abonné à Zanya. La marraine attitrée de la plateforme Bouzanya Mon Village. Je le précise, elle n'est pas la marraine de la cérémonie. C'est notre grande sœur. Elle fait partie de la plateforme Bouzanya Mon Village. Mais elle est la marraine attitrée. C'est-à-dire, elle est au-dessus de tout ce qu'on fait. Elle nous soutient, elle est avec nous de cœur. Et quand quelqu'un fait quelque chose, il faut le dire pour l'encourager. Vraiment, je te dis merci pour ta présence. Tu as fait tout le déplacement depuis Paris. Toi et ton épouse, vous êtes venus et vous êtes présents à Gogo pour cette cérémonie, pour nourrir nos enfants, nos petits frères orphelins. Sois-en salué, je te bénis au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi et ton mari, et qu'il vous donne encore beaucoup de bénédictions. J'aimerais saluer les officiels de cette cérémonie. En l'occurrence, notre parrain, un monsieur originaire de Gorozanya, un digne fils qui ne dit pas son nom, qui préfère travailler dans l'ombre. Mais tellement qu'il sait travailler dans l'ombre, son nom même dépasse l'ombre là, et puis ça vient au-dessus. Je vais nommer monsieur Serge Do, international athlète, une fierté de toute la nation ivoirienne, que je vais saluer, que le parrain de cette cérémonie, je demande que tout le monde l'acclame ce soir. C'est un digne fils de Gorozanya. Il est originaire de Gorozanya. Pour ceux qui ne savent pas, Serge Do, il est de Gorozanya. Et à chaque fois que nous le sollicitons, il n'a pas besoin même d'être parrain, il nous aide conséquemment. J'aimerais te saluer de là où tu es. Vraiment, que Dieu te bénisse, bénisse ta famille, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, que Dieu t'élève encore et encore. La plateforme Gorozanya, mon village, par mon nom ici ce soir, te remercie. Nous voici à Gorozanya pour faire ce qu'on t'avait dit. J'aimerais saluer notre marraine de cette cérémonie. C'est une digne fille de Gorozanya. Vous savez, il est important de faire ramener tous nos enfants qui sont au niveau de la diaspora, qui ont perdu un peu le goût du village, vers notre village natal, Gorozanya. Ce soir, nous avons pour marraine une digne fille de Gorozanya, Justine Baillé, qui réside en Suisse. Elle a effectué le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire, mais par un contretemps de dernière minute, elle n'a pas pu effectuer le déplacement. Mais je te salue de là où tu es. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci, on est ensemble. On est ensemble. J'aimerais vraiment saluer une personne, pour ne pas dire un groupe, une organisation internationale qui est co-marraine de cette cérémonie. Pour moi, c'est des personnes qui ne sont même pas des gourous. C'est une organisation internationale qui soutient les artistes, ouais, nommée Amaoué International. J'aimerais vraiment les saluer. Vous savez où ce gourou qu'on est. Ils ne sont pas des gourous, mais ils ont décidé de nous soutenir sans même connaître ce village. Et c'est à cause de ces enfants-là qu'ils le font. J'aimerais, à travers mon discours encore, tout au nom de toute la plateforme, leur dire merci. Merci à Amaoué International pour le soutien que nous
vous nous avez apporté. Merci, maman Yul Martine, la secrétaire qui a été la coordonnatrice entre la plateforme et Amaoué. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. J'aimerais saluer encore une dame originaire de Gorozanyan. Vous savez, nous pouvons dire que nous à chaque fois qu'elle pose une action, elle me supplie, ne dis pas mon nom. Ne dis pas mon nom. Mais maman, je suis désolé ce soir, je vais dire ton nom au grand public, parce que ce que tu fais est au-delà de nos espérances. J'aimerais saluer une digne fille de Gorozanyan, chef du village, écoute bien son nom, c'est maman Paye Clarisse. Paye Clarisse, elle réside en France. Ce qu'elle fait pour nous, vraiment, est au-delà de nos attendements. J'aimerais te remercier. Tu devais être là même ce soir, Gorozanyan. Tu as fait le déplacement, effectué le déplacement jusqu'à Bangolo, mais compte tenu des contretemps de dernière minute, je sais que de là, tu suis le direct, tu n'as pas pu effectuer le déplacement. Ce n'est pas de ta faute, nous t'avons compris. Mais nous voulons sincèrement te dire merci. Tes enfants voulaient te dire merci et te bénir pour tes actions. Merci pour ton soutien, merci pour tout. J'aimerais saluer encore une de nos dignes filles, chef du village, Magnou Thier. Mais nous, on a pris des outils, on est à Poaglou, ou à bon, il y a Blood de Bonou, outils, ou c'est de vous moquer. Et nous, on est à Plaï, mais il y a ici. À Djabadou, on a donc mon goût d'Amaï, mon goût d'Avou de Guadi, on a dit mon retour, on a dit la blonde de Guéo, Véronique Taï, on a dit pas assez mal. Mais, on y a vidéo, on a un bon poids, on s'en demande, on y a en Côte d'Ivoire, lors de son séjour en Côte d'Ivoire, la dernière fois, dans le mois de novembre, on a une rencontre où elle a dit qu'elle va prendre cinq filles orphelines, ici même, à Gourou, qu'elle va prendre en charge ces filles-là, et pour tous les parcours scolaires et tout ce qu'elles vont faire. Et ce soir, devant tous vos oignons, j'aimerais te dire merci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. Il ne s'agit pas de faire de la politique ou la faire. Il s'agit de soutenir ces parents qui sont dans le besoin, qui sont dans la détresse, qui souffrent. Au village ici, les gens souffrent. Quelqu'un même qui a ses deux parents, c'est pas facile. En plus, il faut perdre un ou deux parents. Vraiment, j'aimerais te dire merci. Ce soir, nous allons donner tes cadeaux que tu as achetés à ces filles. Tu vas les connaître, je vais t'envoyer les noms. Et par notre frère Taï Boyaka, qui est le délégué ici, on va coordonner le reste. Merci pour tout. J'aimerais saluer une dame, Mao Blandine, qui est la responsable d'une organisation internationale avec qui nous travaillons, qui nous a soutenus. Mao Blandine, c'est une digne fille de Gowo. Elle est de Bangolo, mais sa mère est de Gowo, précisément de Zouedi. Elle tient une organisation qui soutient les enfants du Guémon. C'est une doyenne dans l'affaire. Elle veut nous accompagner dans notre projet. Et de là où tu es depuis Cocody-Vallon, j'aimerais te saluer, te dire merci. Merci aussi à une digne fille de Gowo Zanyan. Encore, Gwangé, pour mon mari, on a dit, saluer notre maman Doku, épouse Koné. Cette cérémonie marquant la célébration de la troisième édition de l'Arbre de Noël pour ces enfants orphelins de moins de 13 ans s'inscrit dans le cadre traditionnel de leurs actions pour le bien-être social des tout-petits de la sous-préfecture de Gorozanyan. Cette cérémonie a pour but d'attirer le regard de la société en général et en particulier les cadres et les autorités locales afin qu'elles aient un regard nouveau sur les enfants orphelins. Un regard d'amour a déclaré la marraine à vie de la plateforme Gorozanyan Mon Village, Madame Guesseir Zonset. À monsieur le chef du village de Gorozanyan, mon cher papa, bonjour. Mesdames, messieurs et parents, monsieur Dosserge, moi-même mon frère qui est aux États-Unis, à ma maman, ma grande sœur, aussi ma maman, Justine,
qui est en Suisse, la marraine. À mes mamans de la diaspora. À ma maman Kwao Louise. À ma maman Rai Marceline. Et surtout à ma grande sœur, Paï Clarisse. C'est elle qui a œuvré au bon déroulement de cette cérémonie aujourd'hui. Je lui dis merci, infiniment merci. Merci. Grâce à elle, nous sommes là aujourd'hui. À tous les fils et filles de ce village, je vous dis merci. Merci beaucoup. Nos chers enfants, aujourd'hui c'est votre jour. Merci pour votre présence. Sans oublier aussi mes papas, les chefs du village de Glodé et de Tchengri. Je voulais dire merci à mes papas, merci de votre présence aujourd'hui. Vraiment, donner un sourire à un enfant, c'est vraiment une joie. De surcroît à un enfant orphelin, c'est une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour les enfants, pour les donateurs. Que le Seigneur vous bénisse. On est à la troisième édition de l'arbre de Noël des enfants de 0 à 14 ans, des enfants orphelins de 0 à 14 ans. Nous sommes là aujourd'hui pour mettre la joie dans le cœur de nos petits frères, nos enfants. Donc, soyons tous dans la joie et fêtez avec nos enfants. Joyeux Noël à vous, mes enfants. Joyeux Noël. Que le Seigneur vous bénisse encore, pour que les tontons et les tantes vous donnent encore plus de cadeaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à mes chers petits frères aussi qui sont derrière moi. Toute la plateforme Gogo Zanya, mon village. À nos mamans, maman Ouadé Geneviève qui est en Italie. À notre frère, l'ambassadeur Boris qui est aussi en Italie. Et tous nos petits frères, petites sœurs qui sont au Koweït, dans toute la plateforme, tous ceux qui sont dans la plateforme Gogo Zanya, mon village. Je les remercie pour leur participation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Merci. Rappelons à nouveau que ce sont finalement 430 enfants orphelins de moins de 13 ans qui ont bénéficié de cadeaux. Donc, 5 filles en situation difficile ont bénéficié d'une prise en charge scolaire jusqu'au collège par Mademoiselle Véronique Taillé, femme d'affaires vivant en Europe. Cherchant à se surpasser pour que les enfants aient un petit moment de bonheur dans leur vie, la plateforme Gogo Zanya Mon Village n'a lésiné ni sur les présents à offrir, ni sur la bonne humeur, ni sur l'ambiance générale, afin que tout un chacun reparte avec un peu d'espoir dans le cœur et des étoiles brillantes dans les yeux. Le pari est réussi grâce au soutien de nombreuses personnes résidentes en Europe, aux États-Unis, au Koweït, en Côte d'Ivoire et à certaines associations telles que Amaway International. Des jeux et des animations ont été organisés pour la plus grande joie des enfants qui ont été conviés à cette cérémonie. Ravis et heureux d'être là, les 430 enfants orphelins de moins de 13 ans ont reçu de nombreux cadeaux de la part du Père Noël. Le chef du village de Gogo Zanya, qui a tenu un discours chaleureusement applaudi par l'assistance pour souhaiter de bonnes fêtes aux enfants ainsi qu'aux invités, a encouragé les responsables de la plateforme Gogo Zanya Mon Village à maintenir cette flamme d'amour pour les enfants orphelins. Le souvenir de cette troisième édition restera longtemps ancré dans les mémoires. Yeah.
la fin de cette belle cérémonie, notre envoyé spécial a tendu son micro aux différentes personnes pour recueillir leurs avis. Taou Théodore. Taou William. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir, je viens de la France. Je suis venu à une cérémonie des enfants orphelins dans le village de Bouzaïan. Tatia Boulet aimé. Tatia Boulet aimé. Les enfants qui n'ont pas de besoin. Je suis Adamo. Vraiment, il faut dire que je suis très fatigué. Sephora. C'est une joie et c'est une bénédiction que je suis à cette manifestation. Je dis merci encore aux donateurs, initiateurs de cette plateforme. Et que je voulais dire aussi, moi je suis la présidente de Sridi. On a les mêmes grands-parents. Okay. Donc il y a une plateforme. Tu peux recevoir maintenant les cadeaux de la main du Père Noël. En même temps, on attend la liste d'attente. Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Parce que vous avez fait le déplacement pour être là pour cette belle. Parce que vraiment, on est sourire vraiment à un enfant. C'est de la joie. C'est une bénédiction. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Christelle. Seulement. Ici, vous passez ici. Aux donateurs. Parce que donner un sourire à un enfant. Et tous les enfants qui restent, les cadeaux passent ici. Dans la Bible. Christelle. On n'a qu'à voir chacun. Taou Jérémy. Aimer les orphelins. Taou Jérémy. Les veuves et les orphelins. C'est une bénédiction. Donc c'est nous qui sommes leurs parents. Je suis dans la joie, tellement dans la joie que je ne sais pas quoi dire. Tout simplement, je vous dis merci. Merci aux donateurs. Merci à Serge Dau. Parce que vraiment, c'est notre frère. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il pense à Chris Davila. À ses frères. Chris Davila. Il pouvait ne rien faire. Et il nous a écoutés. Sans voir les enfants, il a participé. Donc on voulait lui dire merci. Et merci aussi à ma soeur Justine. Cette belle cérémonie. Et la paille Paris, elle-même, c'est la marraine attitrée. On me dit que c'est la mallette marraine attitrée, mais c'est elle la marraine attitrée. Donc, merci à tout le monde. Alors, quel sera votre appel encore pour l'année prochaine? Bon, je voulais demander à tous. C'est toujours la remise des cadeaux. D'être motivés. Ici encore, et toujours. Nos petits frères. À Bouzaïan. Pas de papa, on va continuer. Noël, Noël, c'est pour les enfants. Et quand on voit nos petits frères qui n'ont pas de vous frères, allez aller venir encore vous plaindre ici. Chers parents, s'il vous plaît, venez avec vos enfants, s'il vous plaît. Bonheur. Donc,
qu'il pense à ses enfants-là. Il se motive à donner un sourire à nos petits frères de Bouzaïa. Donc c'est ce que je peux leur dire. Et aussi, leur dire merci aussi à ceux à aux enfants de Gogo, de la Tempora, qui ont participé à cette édition. Il est important de soutenir les enfants orphelins, les enfants de Mille. Et à Gogo-Zagnan, la soutenir de Gogo-Zagnan, nous avons arrêté plus de 502 enfants orphelins qui sont orphelins de père, orphelins de mère, orphelins de père et de mère, de moins de 14 ans. Alors, ce que je peux dire, c'est dire merci à Dieu et encourager tous ceux qui veulent aider les enfants orphelins. La plateforme Gogo-Zagnan, mon village, est disponible pour recevoir les cadeaux. Les dons de kit aussi à la rentrée scolaire pour ces enfants-là. J'aimerais remercier tout le monde, dire merci à la presse et au gagnant qui a effectué le déplacement. Le marrain de la cérémonie, c'est une honneur à la marraine Justine Maillet, à nos invités d'honneur, qui sont Amawé International et Sostenement. Véronique Taillé de Gogo, la blonde de Gogo. Merci à tous les donateurs. Maman, Ezekiel. Alors, vous avez fait votre choix sur les enfants Ezekiel. Alors, quelle joie ces enfants vous procurent aujourd'hui? Paula Christelle. Vous savez, soutenir Christelle. Un enfant, c'est déjà important. De voir un enfant orphelin, c'est une bénédiction. Alors, la parole de Dieu même dit, laissez venir à moi les tout petits, car le roi de Dieu est à eux. Alors c'est une bénédiction, c'est une satisfaction morale pour nous en tant que responsables de cette structure-là, de voir ces enfants aujourd'hui. Moi, je suis comblé. J'ai accompli la volonté de Dieu, je sais que Dieu va le faire. Dieu va venir.